Coucou tout le monde, c'est Miss Tuto. On se retrouve aujourd'hui pour mon 14e tuto dans lequel je vais vous apprendre à faire un crabe. Donc c'est encore de l'origami parce que j'avais fait énormément de patchimo, donc là je me rattrape un peu en faisant plein d'origami. Donc voilà, c'est un petit crabe assez simple, hein, c'est plutôt mignon. Donc là c'est pareil, c'est comme mon tuto précédent où je faisais un poisson. Si vous débutez, c'est très bien. Donc là c'est pareil, on peut aussi prendre une feuille de brouillon. Donc que vous avez découpée en carré. Donc on va cacher la partie brouillon. Donc voilà, on plie. On déplie, on replie de l'autre côté. Voilà, et ensuite on va replier. Donc ça nous donne un carré. Ensuite, on va faire un triangle comme ceci. Donc ceux qui auront fait mon précédent tuto sur le poisson auront remarqué que c'est exactement la même chose. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, nous sommes arrivés à la première étape. Alors, une fois qu'on arrive à ce triangle, il y a le pli central ici, qu'on ne voit pas très bien sur la vidéo. Ouais, voilà, il est ici. Donc, on va venir plier, en faisant bien attention que ça arrive sur la pointe ici. Et on va presque aller au pli central, mais pas complètement. On va vous laisser à peu près cet écart ici. Et vous faites pareil de l'autre côté, en faisant en sorte que ce soit symétrique. Voilà, les plis sont faits. Mais pour éviter que notre crabe soit un peu bizarre, il faut retourner les plis. Donc c'est très simple. Hein. Vous faites juste à l'envers, comme ça, vous remettez. Voilà. Et de l'autre côté, on fait pareil. Voilà. Ensuite, on retourne. On plie ici. Et ces deux pointes-là, vous les mettez le long de celui-là. Comme ceci. Voilà. Et là, attention, on retourne. Et voilà, nous avons notre crabe. Donc, ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez lui mettre des yeux et même ensuite le décorer, le colorier en rouge. Et voilà. Voilà, c'est déjà la fin de ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis à vous abonner pour plus de vidéos. Salut!